Bonjour. Je regarde le calendrier et puis je me rends compte que la saison des ventes de garage approche. Vous vous étonnerez peut-être, mais j'aime beaucoup les ventes de garage. Je suis un peu comme un enfant qui aime monter dans le grenier d'une vieille maison où il pense découvrir des trésors et parmi tous ces objets qui ont été amassés là et oubliés depuis longtemps. Pour moi, les ventes de garage, c'est un peu comme ça. En marchant vers tel ou tel endroit, j'ai un sentiment d'anticipation, d'excitation même. J'ai l'impression que je vais trouver des choses merveilleuses. Puis ça m'est arrivé, vous savez, par le passé, de trouver des trésors. Pas en termes monétaires, bien entendu, mais des choses précieuses pour moi. Je pense particulièrement à une peinture, pas une peinture classique ou célèbre, mais une peinture qui a une signification spéciale pour moi. Mais laissez-moi d'abord vous raconter l'histoire de cette œuvre. L'auteur de ce chef-d'œuvre s'appelle William Dinack, un Américain, un contemporain, puisqu'il est né en 1925 et est décédé en 1993. À l'époque, certaines de ses œuvres étaient bien connues. Et un jour, on lui a demandé de réaliser pour une œuvre de charité une peinture sur un thème religieux. On lui laissait le choix du sujet. C'était un homme bien occupé et il recherchait avidement le succès. Ses nombreux engagements lui prenaient tout son temps. Mais il a quand même accepté de réaliser cette peinture. Mais sa promesse fut vite oubliée, et puis ce n'est que la veille de l'exposition que la responsable communiqua avec lui pour lui demander s'il était prêt à livrer sa peinture le lendemain. Il lui dit que oui, et il prit bien garde de lui dire qu'il n'avait même pas commencé. Il s'est donc mis au travail, mais l'inspiration ne venait pas. Il essayait ses pinceaux sur tel sujet, tel autre, encore tel autre, et rien ne le satisfaisait. Il était 2 heures du matin et toujours rien. Le lendemain était déjà arrivé, là. À un certain moment, désespéré, il a jeté sa palette de couleurs au loin. Et soudain, il eut une vision éclatante de ce qui allait devenir le sujet de sa toile. C'est celle-ci. Elle s'intitule « À son image ». En la regardant d'une certaine distance, on perçoit, d'une manière générale, la tête du Christ couronnée d'épines, comme on a l'habitude de le voir représenté. Mais si on approche, pour regarder l'illustration dans tous ses détails, on remarque que le visage du Christ est composé de plusieurs autres visages. Vous pouvez reconnaître Dr. Jonas Salk, Robert Kennedy, Mahatma Gandhi, John F. Kennedy, le pape Jean XXIII, Martin Luther King, Monseigneur Fulton Sheen, le pape Paul VI et Alexander Graham Bell. Il y a aussi des visages que l'on ne reconnaît pas. Ce sont les membres de la famille de l'artiste. C'est assez spécial, n'est-ce pas? Je pense que cette représentation du Christ peut parler à chacun et chacune d'entre nous d'une manière différente et nous rejoindre personnellement. En ce qui me concerne, lorsque j'ai aperçu cette peinture dans la fameuse vente de garage l'an dernier, je ne pouvais pas en détacher mes yeux. J'étais fascinée, comme littéralement clouée sur place. Mais j'aurais pas pu dire qu'est-ce qui m'attirait vraiment. Aujourd'hui, je le sais. C'est ma vision à moi. Disons, le message qui surgit de cette représentation du Christ. Et le message, c'est celui des paroles de Jésus lorsqu'il dit: ce que vous avez fait ou n'avez pas fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait ou avez omis de le faire. Chaque personne que je rencontre,
Chaque individu qui m'approche, d'une certaine manière, c'est lui. C'est lui qui croise mon chemin. L'apparence peut être différente des images imprimées qui circulent ou même de l'idée que je me fais de Jésus. Il peut revêtir des habits de camouflage qui le rendent méconnaissable. Mais la vérité demeure qu'en chacun de nous, il y a quelque chose de lui.